Yop tout le monde, c'est Miller 7, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup, j'enchaîne directement après la précédente, vu que j'ai ouvert le lama directement. Moi je l'avais perdu la mission que je vous ai montrée, vous avez vu, mais je l'ai relancé juste après, je l'ai réussi assez facilement. Mais du coup, j'ai eu ce pompe magnifique dans le lama, le space 12, légendaire évidemment. Mais du coup, je sais pas en Opsi, je suis dans un dilemme là, Opsi ou Tenny, tu vois. Sachant qu'en Tenny, du coup, comme toutes les armes, ça va faire beaucoup, ça va augmenter les dégâts et les impacts. Et si tu mets en Opsi, ça favorise, du coup, ça fera moins de dégâts, mais elle aura plus de durabilité et plus de cadence de tir. Et vu que là, c'est un pompe, je sais pas, fuse d'assaut, quoi qu'il arrive, je le mets en ténébrant, en soléant, du coup, parce qu'il y a beaucoup de balles, tu vois. Enfin, c'est voilà, pour les PM, je le mets en Opsi parce que il y a aussi beaucoup de balles, mais ça tire beaucoup, ça tire rapidement. Donc les balles, tu vas les tirer beaucoup plus rapidement. Bah du coup, si je pars dans cette logique, là c'est un pompe, les balles, tu vas pas les utiliser beaucoup de fois. Il y a peu de balles dans le chargeur. Je pense quand même en tennis c'est mieux. Mais je sais pas, c'est un putain de dilemme là. Du coup, je sais pas. Évidemment, je vais le mettre en légendaire, mais j'ai envie de le tester en full légendaire. Là, c'est en full épique, mais je vais vous montrer après. Ce que je vais faire, c'est ce que je vais mettre une arme, soit ma Scar ou soit mon Punisher dans la collection. Et du coup, ça va me prendre les décuplettes en légendaire et je vais améliorer à chaque fois. Et dès que j'ai une arme légendaire dans la main, parmi les nouvelles, je le testerai instant. C'est-à-dire qu'il y aura une vidéo dans les 30 minutes qui suivent. Que j'ai obtenu ce truc, je le fais instant. Ouais, du coup, Téné ou truc? Ah putain. Au pire, si je fais l'erreur, si je le re une, je l'ai re une deuxième fois dans le lama, bah je le test, je prendrai en l'autre, tu vois. Et là, du coup, je vais favoriser les ténébrantes. Je vais mettre en Téné en vrai. Et du coup, ce sera des efficaces, je suppose. Non? Je l'ai mis en Téné, dites-moi si c'est une erreur ou pas. Voilà, je peux pas améliorer vu qu'il manque des gouttes de pluie, mais comme je vous ai dit, je vais jeter mon truc. Ouais, c'est ça. Non, même pas, ça sera même pas avec de la Téné, pas avec de la efficace, c'est avec des trucs oxydés. Ah, ça fait mal quand même l'oxydé, 30 oxydés. Donc vas-y, je vais mettre une arme dans la collection, du coup. Je vais mettre ma petite. Attends, c'est où? Ici. Je vais mettre ma petite. Punisher, vu que je l'utilise pas depuis un petit moment. Donc si je joue ça, est-ce que ça me rend les trucs? Ça me rend 20 gouttes de pluie. Ah ouais, non, du coup, non, ça marche pas. Et si je fais ça? Ah ouais, mais du coup, ça marche pas vu que j'en ai déjà mis un, non? C'est ça, non? Ouais, c'est ça. Merde, du coup, ça marche pas ce que je veux faire. Ça me rend pas les duplateurs. Du coup, ça me le met instant en tout. Ah ouais, du coup, ça marche même pas ce que je veux faire. Là aussi, du coup, ouais. Ça marche même pas du coup ce que je veux faire. Ah ouais. Est-ce que si je fais, admettons. Attends. Admettons si je fais. Attends. Ça fait mal au cul là ce que je vais faire, mais vas-y, on va voir. Si admettons je fais ça, est-ce que ça marche? Ouais, c'est bon. Je peux faire ça au pire, mais c'est pas grave. Vas-y, je fais ça ou pas? En vrai, je suis obligé. Je l'utilise pas. Je l'utilise plus vraiment. J'ai ma Scar. Ou j'arte les deux au pire, mais ça fait mal quoi. Vas-y, pour l'instant, je fais ça. Vas-y, hop. C'est pas grave, au pire, je l'aurai dans une mission ou quoi. Du coup, là, j'ai assez pour tester. Merde. Pour améliorer tout en full. Alors, il est où ce petit pompe? C'est le premier pompe que j'améliore instant. Mais je suis trop hype, les gars. Ça va peut-être pas s'entendre tout au long de la vidéo. Mais je suis trop hype, ça fait trop plaisir d'avoir des armes et tout à débloquer. Là, en gros, là, je suis motivé à rejouer. Juste pour avoir tout dans la collection. Genre là, je suis trop hypé. Du coup, on va le mettre en full légendaire vu que j'ai récupéré des décuplateurs neige. Il va m'en rester 1000 et quelques. Il m'en reste combien là, du coup, des trucs que je peux pas voir. Donc, pour l'instant, je vais laisser comme ils l'ont mis de base, c'est-à-dire en 2 impacts et un taux critique. Pourquoi pas enlever un impact et mettre un dégât critique? Pourquoi pas? N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, du coup. Vu que c'est à vous de voir aussi. Je laisse en physique pour l'instant ou je mets en énergie? Je vais déjà tester en énergie. Enfin, en physique. Je vais vraiment tester de base, comme ils ont mis eux de base. Et la petite information, quand vous restez immobile, c'est-à-dire sur place, pendant 2 secondes, pendant les dégâts,
Tôt, ça augmente les dégâts de 17% contre les brumes. Donc les gars, quand vous tirez sur un brume, restez immobile, genre sur place, et ça fera beaucoup plus de dégâts sur les brumes. Voilà. Du coup, on va partir directement. Attendez, normalement je suis en partie. Ouais, tout est bon. Normalement tout est bon. Donc on va repartir peut-être sur une mission. Il y a la musique au fond. Je sais pas si vous l'entendez du coup, mais c'est pas grave. C'est juste que là je suis en mode chill. Du coup j'ai mis des petites musiques pour me motiver à jouer et tout. Comme jouer tout seul en vrai, c'est chaud. Donc on va se lancer la même mission. Je pense que je vais me lancer la même mission à chaque fois. Enfin quoique c'est débile du coup, mais genre là il y a du sauver des survivants, il y a du catégorie 4. Ouais. Et du coup oui, là vous voyez Harley Quinn, mais du coup c'est j'ai pris coupe-tête Sharpnel vu qu'elle augmente les dégâts des pompes de 50%. Donc c'est ouf, voilà. Bon après ici, pour les équipes de soutien, vous n'êtes pas obligé de mettre ça. Moi j'ai mis mes doubles. J'ai que mis des doubles en 130, sauf lui il est pas 130, mais juste à l'améliorer en 130 du coup, mais peut-être pas. Du coup on va se lancer. Je pense que je vais me lancer full celle-là quand je teste une arme, vu que c'est pas dur en soi. Et j'ai le temps de tester quand même. Le but c'est pas que je perde des missions. Genre je vais pas lancer un truc comme ça et je perds. Ou au pire je fais des trucs comme ça, tu vois, éliminer les collectés, pourquoi pas. Ça peut être une idée aussi, mais dites-moi du coup ce que vous voulez que je fasse comme mission. Si vous voulez que je fasse une facile ou pas. En vrai, j'hésite à refaire celle-là. En plus, il y a des déclarateurs légendaires à chaque mission que je vais faire si je fais celle-là, tu vois, ça peut être intéressant. Quand en vrai, éliminer les collectés, au moins ça peut être rapide. En vrai, c'est peut-être plus judicieux de faire éliminer les collectés. Dites-moi, dites-moi. Dites-moi, dites-moi. Je vais faire un combat de la tempête pour vraiment bien pouvoir tester. Et au pire, pour les prochaines, si vous êtes chaud, que je vous teste toutes les armes. Moi, vous n'êtes pas obligé de les jouer. Et, mais du coup, j'ai envie de faire ça avec celle-là aussi. Au moins, il y a plus ce 1, quoi. Tu vois, le 1 là, j'ai envie de le disparaître, tu vois. Du coup, pourquoi pas jarter la Scar, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça pourrait être pas mal. Enfin, bref, du coup, je vais pas mettre une arme full fixe légendaire dans ma collection, c'est débile. Genre, je vais les laisser de base, tu vois. Genre là, si je vous montre, elle est de base, tu vois. Je vais pas mettre avec des full fixe légendaires non plus, quoi. Donc là, je suis tout seul, mais c'est pas grave. Je pense que des gens, ils vont revenir au fur et à mesure. Si vous connaissez pas la musique, moi non plus, je connais pas, mais je sais pas si vous l'entendez, du coup, mais. En gros, c'est une playlist gaming de mix 2020. Donc là, j'ai pas choisi, mais c'est juste pour être chillax, tu vois. Je suis là, j'ai mes écouteurs et tout. Là, du coup, le son il sort de mon téléphone et j'ai mon casque. Mais j'hésite à faire un code Spotify et mettre directement dans mon casque. Au moins, j'utilise pas mon téléphone et j'utilise pas ma batterie pour rien. Comme sinon, je suis obligé de mettre mon câble constamment en train de charger mon téléphone. Donc c'est pas ouf. Là, je vous jure, je suis hypé. Genre, je suis trop content. Bon, là, ça va pas s'entendre, mais. Vous allez voir quoi, je vais mettre des balles de pompe et ça one shot, je vais être tout content mec, je vais faire ouais, j'ai trop content, je suis trop hypé bro. Mais jamais vu content, mais la vie de ma mère, j'ai trop content. Let's go, enfin. J'espère qu'il va être ouf le pompe par contre. Bon après là j'ai pris un héros qui est spécialiste des pompes, tu vois. En plus là, si tu le mets en critique et tu mets le petit rapace dans ton truc de soutien, vu que lui c'est dégâts critiques, je crois il augmente les dégâts critiques, je sais pas, à vous de me dire là si vous savez. Du coup ça augmente encore plus les dégâts des pompes, c'est incroyable. Je suis trop content gros. Bon vas-y. Du coup, il est où? Il est là. Du coup 30 oxydés quand même hein. 11 soléantes, 7 planches. Les planches c'est rien du coup, mais voilà. Et une petite batterie chargée. On va charger directement. Alors qu'est-ce qu'on peut enlever vite fait pour me fabriquer un petit pompe. J'ai donné 50 quartz à un mec en fait juste avant, mais je sais pas pourquoi. Je sais pas, il m'a demandé, vas-y moi je lui donne hein. Moi je vous dis, ça me dérange vraiment pas de donner des trucs, donc c'est quoi, on va enlever ça, hop ça dégage. Il y en a 200 quand même hein, mais bon c'est pas grave. Au pire je peux pas faire un truc. Au pire j'ai envie de faire ça. Et j'en mets genre 200 instant. Hop. Et je les reprends quand même. Hop. Ça l'a pas fait du coup. Ah merde. C'est juste pour ce petit bâtard qui prenne pas mon truc. Du coup ça a pas fait mon truc là.
Alors attends, je vais retenter. Je crois que ça a pas fait mon truc. Alors, attends, on va faire ça en 200 fois. Au moins ça m'utilise. Ah mais non, ça m'utilise des ficelles, je suis con. Ouais, heureusement que ça a pas fait. Et du coup, c'est quoi qui... C'est ça, non? Ouais, c'est ça. Merde, je suis un débile. Du coup, hop, on fait 200. Au moins ça m'utilise deux stacks. Tac, je le reprends. Non, c'est bon. Oh, mais je suis un débile, hein. Ça fait deux fois, ça annule mon truc. Du coup, je suis vraiment un débile. Attends. Désolé pour ce petit temps d'arrêt, du coup, mais je suis un débile, c'est pour ça. Donc, j'en fais. Tac. Ah, mais du coup, il me faut deux stacks de libre. Là, je n'ai qu'un. Du coup, ça va me faire que un. C'est ça, non? Non, c'est bon. Nickel. Donc, je peux reprendre ça. Du coup, au moins, je vais pouvoir farmer de la lisse. Là, je reforme de la lisse. Je reforme. De la poudre et je refarme des planches. Voilà, au moins j'ai trois trucs à truc de nouveau. Donc ouais, on était sur les pompes. Hop, c'est créé. On va le tester directement. Je suis trop chaud là, méga. Je sais pas pourquoi je dis méga. Vas-y, on va farmer vite fait un peu bah, de la lisse hein, du coup, nickel. Est-ce que j'ai un stack? Non, ok. Donc attends, je vais juste fermer ça, du coup, on va aller directement à l'Atlas. Tiens, on va se faire un petit camp aux pompes, là, tiens. C'est pas une bonne idée, en vrai, de faire un camp aux pompes, vu qu'il y a beaucoup de zombies autour de toi. Surtout s'il y a des abeilles ou quoi, ça va être chiant, mais vas-y, un petit camp. Il y a un petit camp là-bas, j'ai vu. On va se faire un petit camp aux pompes. Regardez, là, ce beau petit pompe, là, sur Harley Quinn. C'est magnifique. Évidemment, wow, le bruit, c'est le même en plus. La cadence de tir m'a l'air assez correcte. Mais c'est trop bien. Ouh. Ah ouais. Eh, en vrai, je sais pas ce que vous en pensez là, mais le petit 150 dans la tête là, ça fait mal. Bon, il est censé faire un peu plus hein, dans la tête, mais du coup, ouais. Faut que je suis contact comme ça, genre. Pff. Attends, je reste immobile. Waouh! Pardon. Pff, oh ouais. Ah ouais. Franchement, pas mal, hein. Bon, par contre, il fait pas les dégâts affichés. Hein. Ça, là, ça fait du 31 par exemple. Je comprends pas le impact. Il faut être où? En vrai, dites-moi, hein, dites-moi directement dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, franchement, pff, cette réaction que j'ai eue là, quand le boss là, du 400 et quelques, ça a mis 450 000, je sais pas combien. Waouh! Après, il faut rester immobile 2 secondes pendant. Ouais. Ouh, ouais, franchement. Y'a un survivant là, je le fais ou pas? Vas-y, on va le faire. Hop, bonjour, au moins ça me permet de tuer du zombax. Pardon. Ok. Bon, les dégâts c'est assez irrégulier du coup. Vous avez vu hein. Des fois ça fait du 200, du 200 000, des fois ça fait du 100 000, des fois ça fait du... Je comprends pas, c'est comme dans le BR ou quoi? Oh mais quel plaisir! Waouh! Bon, la vidéo du coup elle sera assez longue. Il y a déjà 8 minutes pour l'Atlas. Et le temps que avant de commencer, du coup, tout le temps d'avant de commencement, qui sera un peu long du coup, vu que là je pense pas qu'on va commencer la mission assez... Oh, il est efficace. Donnez-moi de l'efficace, je prends. Donnez-moi de l'oxydé aussi, je prends du coup, hein, vu que le pompe il va coûter cher du coup. Je l'ai mis en quoi du coup? J'ai oublié. Je l'ai mis en quoi en soso? Ah ouais, du coup la durabilité dure moins longtemps. Donc on va voir. Pour l'instant, je suis assez fier là de mon choix, de l'avoir mis en soso du coup. Vu que... En vrai, la cadence de tir, elle est assez correcte.
Oh oui, mais non, mais gros. Je vais bander, hein. Je pense que tu peux encore le mettre plus fort, hein, vu que là je l'ai laissé de base, comme je vous ai dit. En 2 impact et trucs. Mais si tu mets en dégâts critiques, ça peut être lourd, hein. Avec Rapace, mec, en soutien, équipe de soutien. Po, ça peut être la meilleure pompe du jeu, là. Non, je pense pas qu'il va rattraper le pompe énergétique, là. Je sais jamais comment il s'appelle. C'est pas le pulsar. Non, le pulsar, c'est pas le fusil d'assaut. Je sais plus, ouais, comment il s'appelle. Mais vous voyez de quel je parle. Je pense. Attends, je pense que tu dois savoir. Vu que je te l'ai fait. Mais je sais qu'il y a un Storm Shift. On le voit à l'écran, en fait. C'est écrit. Il est tout en haut, le mec. Du coup, je vais peut-être pas l'aider. Vas-y, on va finir le camp. Je vais finir mon petit tour de map habituel. Du coup, l'avant-game, ça dure du coup 5 minutes, 5-6 minutes à chaque fois. Plus le commencement de mission, enfin la durée de la mission qui dure 8 minutes. Donc les missions à chaque fois, ouais, ça dure entre 15 et 16 minutes, quoi, à chaque fois. Donc, désolé pour... Ouais. Après, mon style de jeu, il est assez... Je suis un débile. De toute façon, je mourrais. Et moi, je rentre dedans. Du coup, je me prends des focus de ouf. Je perds ma vie en 30 secondes. C'est mon style de jeu, gros. Je suis comme ça, gros. Moi, je suis comme dans le PR. Je rentre dans les gens. Moi, je m'en fous. Genre en mode. Ah non, je vais pas rentrer dedans. Je vais attendre que. De plus de 4. Et ta mère, je rentre dedans, frère. Il dit tout pas. Je m'en fous. Je rentre dedans, frère. D'ailleurs, en parlant d'Edit, hier, j'ai joué en section avec deux petits collègues. Et je finis en 1v1 final avec un petit camarade que je gérais en soi, hein, genre édité tout, enfin en construit je le gérais, hein, j'avais la hauteur constamment sur lui. Mais le mec il a fait quoi, à un moment il est resté dans une box et il bougeait pas, genre il attendait que je descendais. Du coup moi je fais quoi, je le cherche, je commence à faire des édits et tout. Et là il y a un sol, je l'édite. Mais du coup je me retrouve néanmoins avec lui, mais de dos, et je l'ai pas vu, il m'a mis une balle et voilà, fini quoi. Sachant que j'avais un barrette, j'avais un pompe tactique, j'avais un Thompson en mythique et j'avais un lance-roquette épique. Et moi je fais quoi, j'édite dans sa gueule, ça veut dire que je suis dos à lui. Du coup il met une balle et je suis mort, du coup top 2. J'avais un peu le seum du coup. J'ai fait pas mal de top 2 hier soir, enfin hier dans l'après-midi quoi. Mais bon c'est pas très... Tiens relève-toi mon pote. Ah merde, il était déjà debout je crois. Enfin je sais pas, j'ai pas... Voilà. Et ah, et ce qui apparaît dans le BR, il y a le retour du pompe lourd aussi. C'est ce qui paraît. Mais attends, je te réanime, bouffon. Bon les gars, si jamais vous vous demandez, Harley Quinn, c'est pas un soldat, hein, genre... vous pouvez le mettre ninja, vous pouvez la mettre constructeur, vous pouvez la mettre ce que vous voulez en fait. Là je suis un soldat vu que du coup je suis en pompe, mais genre à tout moment je prends genre lynx et je vole avec, et je reste en l'air avec elle, tu vois. Wouhou ! Ok, le petit saut qui... Pourquoi quand je shot il fait plus de dégâts le truc ? C'est une impression ou... Waouh ! Ok, j'ai trouvé une strat pour faire plus de dégâts, tu sautes. Voilà. Du coup, les mastocs, là, les mecs avec leur t-shirt gris-blanc, là, ils ont 500 000 de dégâts, du coup, je pense. C'est pour ça que j'ai one-shot. Du coup, ils ont 500 000 de dégâts en tout. Enfin, à peu près. J'ai enfin l'info, c'est ce que je me demandais depuis longtemps. Genre, un mastoc, combien de dégâts ils ont? Enfin, ils ont combien de vie? Et du coup, je sais, c'est à peu près 500 000 vu que j'ai one shot. Donc voilà, c'est à peu près 500 000. Voilà. Elle, admettons, elle a combien de vie? Bah, du coup, je peux pas savoir, mais je pense qu'elle a. Je pense qu'un zombie de base, il a 100 000. Un mastoc, du coup, il a 500 000, je pense. Vu qu'attends, là, je mets 200 000, là, je mets 300 000. Ouais, il a à peu près 500 000. Et un L, là. Elle, là. Attends, je vais tirer. Elle a. Ouais, même pas. Ils ont du 100 000, hein. Les zombies de base, ils ont 100 000, je pense. À peu près. Et un mastoc à 500 000 du coup. Et un brume du coup il doit être dans les 1 million, 2 millions quoi. Voilà.
pour ceux qui n'avaient pas l'info. Moi non plus j'avais pas l'info, j'essaie de me dire ça. Hein. En vrai, qu'est-ce que vous en pensez, vous, du pompe? Moi, franchement, je le trouve incroyable, tu vois. La cadence de tir, elle est correcte, du coup. Il tire assez rapidement. Ça one-shot quasiment tous les zombies. Après, le seul truc, c'est que quand il y a trop de zombies autour de toi, t'es dans la merde, quoi. Genre. Ou genre, si t'as un AB ou quoi. Si t'as ninja, ça peut être pas mal. En plus, si tu voles avec Lynx, tu peux. Tu peux rester. Tes dégâts sont augmentés de 200%, c'est ça. Du coup, ouais, il peut être pas mal. En vrai, il est ok, il tire assez vite, hein, vous avez vu, il tire assez vite. Après, il faut prendre en compte que je suis avec coupe-tête Sharpnel. Du coup, si vous le jouez avec un autre héros, il sera peut-être moins fort. Ok, je lui mets 2 balles à un brume du coup. Enfin, à peu près. Et vous avez vu, hein, quand je shot, ça fait beaucoup plus de dégâts que quand je shot pas. C'est trop bizarre. Attendez, je vais refaire le test. La shot. Mais non, ça va, c'est ok. L'autre, elle est où? J'aime pas ces fils de pute qui partent, du coup ça te fait éloigner du camp et après ça te dit le petit message. Attention, bougez-vous si vous voulez éloigner du camp, quoi. Elle est où la dernière? Me dis pas qu'elle est dans le sol comme. Je crois qu'elle est dans le sol. Il est là, regardez. Je peux pas le tuer. Je peux pas le tuer du coup. Il est dans le truc. Je l'ai tué ou pas? Non, je l'ai pas tué. Comment je le tue, wesh? Mais moi je prends les dégâts mais pas lui. Non mais j'adore ce jeu Epic Game. J'ai pris la merde ce jeu gros. J'adore ce jeu vraiment. Mais il s'est téléporté. Il est où? Non mais il explose à partir d'un moment. Ok, c'est chiant, je m'éloigne du camp et je le refais du coup. Bah oui, j'ai pas le choix, le mec il est bugué frère. Règle ton jeu aussi à place de faire des patch notes là. Enfin ils en font pas mais genre des patch quoi. Ouais, du coup, un brume physique, un cyclope, il a à peu près 750 piles. Hein, si j'ai bien... je vais mourir 100%. Y'a trop de zombies, je fais quoi, frère? Y'a trop de zombies, je suis aux pompes. Ouais, bah ouais, y'a trop de zombies, frère, c'est cool. J'ai un BF avec eux, vite fait. Toi, t'es mort, merci. Je vais aller voir ces petites connasses. Voilà, un but à mort, gros. Une balle à mort, gros. Par contre, je suis censé récupérer de la vie quand je tue un mec. Hein. Et je reprends 12 000 à chaque fois que je tue un mec. Regardez, là je suis à 351 000. Je tue un mec. Ouais, je prends à peu près 12 000. Mais pourquoi tu pars là-bas, toi? J'ai tué ta grand-mère, gros. Ouais, c'est régulier. Je sais pas, ils ont combien de vie les zombies. Ça me saoule. Mais un bruit, mais vu que je lui ai mis 2 balles. Non, 3 balles, ça a mis du 70 000, plus du 200 000, plus du... J'ai pas vu, mais genre 400 000. Un brume de base, je pense qu'il a à peu près 750 000 de points de vie. Un cyclope de brume. Dites-moi hein, si vous savez, si vous avez l'info. Mais du coup, c'est pas logique qu'ils ont que 250 points de vie d'écart avec un mastoc de base. Donc en vrai, je sais pas. Dites-moi si vous savez les points de vie de chaque zombie différent. Avec un petit comme ça... Il a 50 000, tu vois, un petit comme ça, il a 50 000, je pense, à peu près. Après, un mastoc, bah, tu vois, 500 000, tu vois, je lui mets une balle. Lui, il a 50 000, même moins, je pense, 40 000.
Mais nique ta mère, je fais des expérimentations. Expérimentation. Bon, du coup, ce serait bien de lancer un de ces quatre, non? Vu que la mission là, commence à. Merci. Bah, il est dans ma tête, lui, c'est bien. Donc là, 8 minutes de plus pour la vidéo. Donc, sachant que là, ça faisait déjà 10 minutes, je pense. Vu que j'ai fait tout le tour de map et tout. Vas-y, hein, go, écoutez la musique là, je suis chaud. Je suis trop content. En vrai, ça va. Il est correct. À tester avec un zombie, avec un héros de base, du coup. Enfin, qui augmente pas les dégâts des pompes. Plus 5000, ouais, mais du coup on peut pas savoir. J'ai toujours rêvé de savoir en fait ils ont combien de vies les zombies comme ça. En vrai, la cadence de tir elle est insane vu que ça te le met de base hein, la cadence de tir, mais genre je la trouve insane la cadence de tir. Elle est à 0,94 du coup, si vous avez pas vu, je vous le redis. Enfin, je crois, attends, je vais quand même regarder pour pas dire des conneries. Ah non, 0,89, ok, ça a baissé. Ah non, c'est quand tu la mets en optique, 0,94 je crois. Ouais, c'est ça. Ça change de 5 du coup. Vous voyez, mais c'est incroyable. Le nombre de dégâts que je prends à chaque fois. Il y a des mal vie, hein, genre, c'est un délire. Oh, mais j'adore ce pompe. Oh. Il aurait dû faire ça, mais l'inverse du coup, genre mettre comme ça. En vrai, je pense. Mais vas-y, on va laisser comme il a fait. Mais j'adore. Ce que j'aime pas avec ce soldat, c'est qu'elle a crit de guerre. Et crit de guerre, je l'utilise quasiment jamais. Genre, j'ai pas le réflexe de faire crit de guerre, quoi. Après, pompe et onde de choc, ça va, j'ai un peu le réflexe. Mais genre, cri de guerre. Regardez, hein. Ok. Ouais, il a à peu près 500 000 là, ma stack. Hein. En vrai. Le joke. Voilà. Jamais, vous savez pas. Je sais pas, je fais une fixette sur ça depuis tout à l'heure, mais sur les points de vie des zombies. Mais je sais pas, je fais une fixette là. Ouais, un fracasseur d'élémentation. Il doit avoir dans les 5 millions, c'est pas possible de point de vie là. Par contre les gars, il faut aller à l'intérieur, hein, c'est en train de tout niquer là. Hein. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Hop. Mais pas en bois gros. Gros, il m'a éjecté par-dessus la troisième corde. Pardon. Vous voyez que les edits, c'est pas encore mon truc, hein. Ah, d'accord. Ça a entraîné, ça, en vrai. On va mettre des petites têtes, là. Bam. En vrai, c'est cool d'avoir un pompe comme ça, mais en vrai, je pense pas que je le jouerai tout le temps, quoi. Et que t'es tellement vulnérable avec, du coup.
Je vais mourir dans 3, 2, 1. Merci mec. Ah ouais, tu l'as mis du bon côté ton truc, c'est cool. Ça, quel plaisir! J'aurais peut-être dû mettre des pièges. Hein. Comme on est à Picardie 140, les pièges, c'est les pièges qui font la diff quoi. Un petit constructeur, ça aurait pas été de refus en vrai. Frère, il s'est fait one shot. Ok, il est trop fort ce mini boss. Mais gros, pourquoi tu viens sur moi? Je sais que je suis le plus fort, mais... En vrai, ce boss là, j'aime bien, vu qu'en vrai, il attaque pas la base. Il attaque que les joueurs. Donc en vrai, ça sécure un peu le... la base. Pas comme un fracasseur ou quoi. Tu vois ce que je veux dire? Qui lui, il va te péter les couilles. Alors que lui, non. Lui, il est tranquille. Mais frère, il... Bon, vous avez vu, ce pompe là, il fait pas de dégâts contre les boss, du coup. Il fait zéro dégâts. J'ai pas un piège à mettre vite fait là en thread là comme je sais pas pourquoi mais je le sens pas hein. On va peut-être perdre hein. Moi je vous le dis, je travaille pas hein, l'émission. Moi je lance ça passe pas, bah balèque hein, ouais. Tu peux me casser les couilles le jeu. Mais gros il veut absolument, il veut, mais gros il veut, il... oh. Calme-toi le mini-boss là. Pourquoi tu me veux absolument moi gros? Mais gros, il me veut absolument, hein, c'est grave. Hein. Et pourquoi tu viens que sur moi, frérot? Oh, 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 oh. J'ai appelé la police. Harcèlement, des violations mineures là. Je sais pas ce que je viens de dire. Mais gros, mais on va perdre 100%. Moi, j'aime bien galérer en soi, hein, mais là, c'est même plus de la galération là, c'est du n'importe nawak là. Bon du coup on n'aura pas réussi à tuer le mini-boss, ça fait 50 d'or en moins dans ma petite poche. Non mais là gros, s'ils passent tous en même temps à l'intérieur, ça va faire masse dégâts. Hein. Ouais d'accord. Bon c'est pas grave, on a gagné, on a testé le pompe. Honnêtement je le kiffe ce pompe gros. Après ça peut-être pas à gagner une mission, voilà, clairement. Moi j'ai... J'ai encore envie, nice. Après, j'étais pas. Oh, c'est vrai que je pourrais jouer avec l'héros de tout à droite là, comme elle. C'est vrai, je l'ai acheté. Mais pour l'instant, je joue avec la petite Harley Quinn hein, pour la rentabiliser un peu. Je sais pas, elle est stylée, le pompe. Oh, ça fait plaisir, gros. D'ailleurs, ma vidéo, je sais pas si elle est sortie, mais je vais enchaîner sur celle à cache. Dès que l'autre elle sort, je mets elle en route. Et au final. Ça se peut toutes les 1 heure, toutes les 30 minutes, toutes les 2 heures, je sais pas, mais il y aura une vidéo. Dès qu'il y a une arme, je chope dans la main, la vie de ma mère, je le teste instant et je la poste instant. Il n'y a pas de miniature, il n'y a rien, juste hop, je le balance. Du coup, j'espère que ma musique vous a pas trop dérangé. Je sais pas si vous allez l'entendre, mais... Et ça fait plaisir, ce pompe là. Oh, j'adore. Je vous le dis, je vais le jouer pendant un petit moment là. Vu qu'à chaque fois du coup je vais devoir le mettre dans la collection pour récupérer les déclateurs légendaires pour ensuite pouvoir tester une autre arme. Donc voilà, ça va être chiant mais c'est pas grave. Au pire je l'aurai en... Vu que je testerai les 6 armes en soi, je pense que j'en garderai 3 sur les 6. Enfin j'essaierai de... Enfin je garderai les meilleurs je pense. Ou pas hein, ça dépend vu qu'après il y aurait un autre événement et tout. Donc à chaque fois j'aurai d'autres armes à tester tu vois. Mais là pour l'instant... Pour cette journée, je pense que je vais garder le pompe. Enfin, je vais jouer au pompe jusqu'à ce que j'ai un autre. Genre là, si j'ouvre un lama par exemple et je chope une arme épique, je vais pas le tester en épique, tu vois. Ça sert à rien, je mettrai directement dans la collection et passons à autre chose, tu vois.
Mais du coup, ouais, ça peut être pas mal. Ah, l'arc, il sera peut-être dans la boutique, du coup. Ouais, je sais pas. Ils vont peut-être sortir une mission quand même. Du coup, voilà. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez pensé de ce pompe. Après, je l'ai pas testé. Vous pouvez l'optimiser encore plus, hein. Genre, il peut encore être plus fort, là. Pourquoi je peux pas recycler mes trucs? Merci. Là, j'ai vraiment pas optimisé au max. J'ai juste utilisé coupe-tête, Sharpnel. Mais là, si en vrai, tu mets genre... Genre, comme je vous ai dit, Rapace, hein, je vais vous montrer vite fait. Rapace, alors Rapace, justement, il est là. Donc, Rapace, si tu mets Rapace, ça augmente les dégâts, je crois, non? Augmente les dégâts critiques des pompes de 225%. 225%, ouais. Donc, voilà, tu le mets en critique, tu mets lui, bam, c'est encore mieux, tu vois. Après, qu'est-ce qui peut être intéressant? Lui, je pense pas. Ça augmente la taille du chargeur, pourquoi pas? Pourquoi pas? Lui, c'est crit guard, donc on s'en fout. Lui, il sert à quoi? Augmente la vite. Attends, utiliser onde de choc, augmente la vitesse de déplacement de 40% et l'armure de 200. Oh, ça peut être pas mal. Lui aussi peut être pas mal, mais je pense pas qu'il peut être ouf. Après, enfin, je vais pas vous faire tous les soldats, mais vous faites ce que vous voulez. Moi, j'ai mis comme ça pour le moment, mais. C'est quoi, Masca? Je vais la recycler. Ça me stresse de voir ce 1. Vas-y, ouais. Hop. Alors, moi, on récupère. Au pire, elle est pas rare. Je peux me la récupérer quand je veux, tu vois. Le tromblon, on va pas faire le fou. Le petit gun. Mais lui, j'ai envie de l'améliorer au max, hein, lui. Hein. De toute façon, je peux pas le mettre dans la question. Bah tiens, dites-moi la dernière parole en quoi je dois l'améliorer. En vrai, je vais l'améliorer. Du coup, ouais, j'ai 3000. Du coup, j'ai même pas besoin de le recycler, mon pompe. La prochaine arme. En vrai, le pompe, c'est 100% sûr. Je vais le garder tout l'événement. Du coup, on se laisse là-dessus. Et j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo improvisée. Qu'en vrai, c'est totalement pas prévu. Et dites-moi si vous voulez que je fasse, du coup, test toutes les autres armes. Dès que je le sais, hein, je vous le dis. De toute façon, c'est sûr que je vais le faire. Mais dites-moi si ça vous chauffe. Et je vous ferai ça. Allez, je vous dis à plus tard dans la journée ou demain. Ciao.